Que tous les projets du malin de ce monde contre l'Église, contre l'Assemblée des Saints, contre tout disciple Machia, soit maintenant annulé. Que tous les projets de ténèbres soient annulés maintenant, le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous remercions. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous menaçons. Merci, Papa. Nous détruisons tout. Merci, Papa. Selon Satan.
Alléluia. Seigneur, ton nom est Yahushua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, papa. De notre Seigneur et Sauveur, de notre Père Céleste à qui nous envoie comme être. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre des actions de grâce que tu mérites. Car c'est par ta grâce que nos âmes aujourd'hui sont sauvées. C'est par ta grâce qu'aujourd'hui nous sommes les co-héritiers du Mashiach. C'est par ta grâce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Oui, papa, c'est par ta grâce qu'aujourd'hui on est appelé enfant d'Elohim, enfant de Dieu. Quelle grâce, quel privilège, papa. Seigneur, oui. Seigneur, c'est magnifique, c'est merveilleux ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Père, à persévérer, papa, à ne pas baisser les bras, quelles que soient les situations, quels que soient les combats. Aide-nous, Père, à tenir, à ne pas regarder à ce monde, à ne pas regarder à la chair, mais à regarder à ton seul, papa. Car c'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. Jésus-Christ, toi, d'abord. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit béni, Père de gloire, car tu m'as dit Jésus-Christ. Merci, papa. Père Céleste. Alléluia. Jésus-Christ, Alléluia. Alléluia. Il est magnifique, Jésus-Christ. Trois dieux, papa, que seul unique, ton nom est Yeshua Mashiach. C'est toi, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Alléluia. Ô Père, merci. Tu es le Dieu très haut. Sois béni. Tu es élevé. Sois vénéré. Tu es le Dieu très haut. Sois magnifié. Tu es élevé. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la joie. Merci pour ta grâce, ta présence. Merci pour ton feu. Merci pour ton onction, papa. Que nous remplis encore, papa, cet après-midi. Alléluia. Seigneur, merci, papa. Car tu es merveilleux. Merci, papa. Alléluia. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Comment vous vous sentez? En tout cas, on est dans la joie, on se sent léger, et que dire? Waouh. Comment? Ça wow. Finit, voilà. On peut faire ça pendant des heures comme ça, amen, on peut louer le Seigneur. D'ailleurs, ça sera ça, hein, au ciel, ça sera le temps de louer. Il n'y aura pas besoin d'évangéliser, on n'aura pas évangélisé au paradis. C'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y aura que des sauvés là-bas, amen. Voilà. Donc, ça sera vraiment merveilleux et... Là, c'est juste l'avant-goût, quoi. Ce sont des prémices de ce qui nous attend au ciel. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'âmes qui veulent, voilà, goûter à ces choses-là, ne prennent pas part. Parce qu'on les attache tout le temps aux choses du monde, en fait. Voilà. Tout ce qu'on leur prêche, tout ce qu'on leur dit, c'est la terre. Comment tu dois faire pour réussir? Les techniques pour déclencher la bénédiction. On voit des trucs comme ça, quoi. Hein. Les 6 clés pour ouvrir le ciel, hein. Des choses comme ça, on voit des prédictions comme ça. Hein. Du coup, les gens sont là ici. Ils sont là. Donc, en fait, dans leur vie, comment je vais faire pour débloquer le mariage? Comment je vais faire pour débloquer le boulot?
comment je vais faire pour aller à la maison. Et que dans sa vision à lui, il va tordre le bras à Dieu pour qu'il puisse avoir ce qu'il veut. En fait, c'est ça en fait, qu'on ne veut pas dire directement. En gros, Seigneur, je veux le mariage. Je veux la voiture. Parce que le frère, lui, il a une voiture. Parce que la sœur vient de se marier. Moi, c'est une sœur, là, j'avance. Donc, du coup, Seigneur, il faut que tu agisses. Et les enseignements comme ça sont complètement magnifiques, démoniaques, sataniques. Parce que ça pousse, du coup, les chrétiens à s'attacher aux choses souvent, en fait. Du coup, ils nous regardent qu'au monde. Elle dit que ça crée aussi la jalousie, ça crée des amertumes, des tristesses. Ah, mais lui, là, moi, j'ai pas. Dieu ne m'aime pas. Qui l'a jamais entendu ça? Ils ont même des comparaisons. Ah, la soeur est bien, le frère est comme ça, moi, j'ai pas. Voilà, et puis voilà. Amen. Et du coup, ben, du coup, on n'avance pas avec le Seigneur. On sent que voilà, on est lourd. Et pourtant, on peut faire semblant devant les gens. On a sa Bible et tout. Quand on chante là, mais en réalité, le cœur est lourd. Le cœur est lourd. Voilà. Ça va, mon frère? Oui, oui, Dieu fait grâce. En fait, non. Amen. En fait, non. En fait, il y a quelque chose qui va pas. Amen. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, l'œuvre du Seigneur. Et même nous qui sommes appelés à la prédication, à l'enseignement, on doit faire très attention pour vraiment pousser les bien-aimés à se focaliser en fait sur la personne de Jésus-Christ en fait. Ouais. Non pas sur nous-mêmes ou même sur ce monde. Ouais. Et malheureusement, le diable est tellement malin, il a compris que beaucoup marchent par la vue. Ouais. Parce que cela, on ne le voit pas. Là, on a loué le Seigneur, on sent sa présence, mais on ne le voit pas. Et alors, quand il prie, il ouvre l'œil pour voir s'il est là, s'il peut voir Jésus. Est-ce qu'il est là? Non. Si c'est simplement qu'il le voit, ça sera en esprit qu'il le voit en fait. Voilà. Et du coup, ben, vu que Dieu est esprit, donc forcément, si on ne marche pas par l'esprit, on peut vite s'attacher aux choses de la terre. Or, malheureusement, les choses de la terre sont les choses qui vont passer en fait. C'est les choses passagères en fait. Et si tu t'attaches à ça, ben, faut pas détonner que malheureusement la mort te touche, pas forcément la mort physique, hein. Une forme de mort en fait de ta vie, quoi. Tu vois que voilà, ta marche ça va pas, voilà, parce que ben, tu t'es mélangé en fait, tu mélanges ta marche, une marche spirituelle avec des choses physiques. Oh là, non, c'est grave. C'est comme ceux qui aujourd'hui continuent à adorer un Jésus humain, un Jésus, comment dire, un Jésus avant la croix, voilà, c'est important, voilà, un Jésus. Avant la croix. Je dis à beaucoup de chrétiens qu'on présente le Jésus avant la croix. C'est le Jésus qu'on voit sur les photos. Je me laisse guider. C'est le Jésus qu'on voit sur les photos aujourd'hui. Mmh. Voilà. C'est Jésus qui a souffert. C'est Jésus voilà, qui a eu faim. Et du coup, voilà. Alors, on prêche ce Jésus-là. L'apôtre Paul est clair, en fait. Si on a connu le Machia avant, maintenant, nous le connaissons plus comme ça, en fait. Donc, quand on voit les Jésus sur les photos, quand on voit un Jésus pendu au bois, ben en fait, ça, c'est plus le Jésus que nous on adore, en fait. Parce que nous, on adore le ressuscité. Bon, là, on présente un Jésus ben, avant sa mort. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'on dit aux gens indirectement, mais en fait, vous n'êtes pas sauvés. Parce que nous, on est sauvés parce que Jésus est mort et ressuscité. Et qu'il est monté et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Or, si toi, on te parle d'un Jésus qui n'est pas encore mort, c'est-à-dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Elle t'est pas convertie encore. Et qu'on te fait comprendre directement que voilà, non, tu n'es pas sauvé. Voilà, tu es encore sous la loi. Parce que Jésus a vécu sous la loi. Toute sa vie, jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection, là oui. C'est là qu'il a dit, voilà, tout est accompli à la croix. Mais avant ça, il a vécu sous la loi. C'est la nouvelle alliance, non? Comment? C'est ça? C'est la nouvelle alliance. Oui, la nouvelle alliance qui a pris, qui a débuté. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Acte. Voilà, acte 2 là-bas avec, voilà, avec la prédication de l'apôtre Pierre, qu'on sait tous. Mais par contre, l'ancienne alliance a pris fin, normalement, à la croix, quand tout est accompli, quand le rideau s'est déchiré, le haut tomba. Après, il y a eu une transition entre les deux. En fait, il y a eu une période de transition entre la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Il fallait que, voilà, qu'il y ait cette transition-là. Voilà, entre les deux, que le machin puisse monter, voilà, que cette suite descende après. Voilà. Donc il y a eu un passage entre les deux, mais la fin de l'ancienne alliance a pris fin, vraiment, ça s'est terminé, quand voilà, le rideau qui sépare en fait le Saint des Saints au lieu saint s'est déchiré. Voilà. En fait, ça veut dire que bah,
En fait, il n'y avait plus rien là-dedans. Puis la gloire, en fait, était partie. Mmh. Donc, ceux qui vont aujourd'hui construire un nouveau temple, voilà, pour faire comme le faisait voilà, Aaron, sa descendance, hein. Le Seigneur s'est bâti un nouveau temple. Un temple qui est fait, en fait, des humains. Voilà. Parce que nous formons un corps spirituel, en fait. Nous sommes des briques, des pierres vivantes. Mmh. L'apôtre Pierre en parle aussi. Donc aujourd'hui, celui qui. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent, hein, ceux qui disent, voilà, le bâtiment là, c'est la maison de Dieu. Non. On dit non. Non. C'est fini, ça. C'est fini. Ouais. Donc, il faut, tous les matins, tous les dimanches, il faut, dès qu'il y a une tâche là. La maison de Dieu est sale. C'est pas possible. Il faut remettre la peinture. Ouais, non, pas. En fait, c'est pas bon. Amen. Vous voyez un peu le. Beaucoup de personnes à qui on enseigne ça. Du coup, ben, quand tu vas, il voit une tache. La maison de Dieu est tache. C'est pas possible. Il va frotter. La maison de Dieu ne peut pas se salir. Non, possible. Aujourd'hui, le corps de Christ, le corps de Christ spirituel n'est pas sale. Il n'y a pas de saleté dedans. Parce que le Seigneur me met la tête. Je ne peux pas permettre qu'il y ait de la saleté dans sa maison. C'est pas possible. Vous voyez ? Donc, tout ça fait que voilà, c'est. Voilà. Ça mène aussi beaucoup de. De freins dans la marche de beaucoup à cause d'un mauvais enseignement. Parce que ça fait plaisir. Ce qu'on voit quand on marche par la vue, c'est bien quand tu vois une tache de là de toi. Mais quand tu dis que tu as une tache sous ta robe, tu ne la vois pas. Parce qu'on est habillé. Voilà, cela me dit, il faisait ça que là-bas. Voilà, on est vêtu. Donc il ne faut pas qu'il y ait des taches, ni rides, ni rien de semblable. Mais il faut être irréprochable. Quand ils veulent le parallèle entre l'église et le mariage, entre Christ et l'église et l'homme et la femme dans le mariage, ils ne parlent du tâche de robe. Et si tu ne marches pas par la foi, tu marches par la vue, tu vas dire quoi? Seigneur, j'ai pas de robe. C'est quoi cette affaire? Voyez-vous, moi, je dis, mais j'ai pas de robe. En fait, c'est ça, il faut être capable de se projeter, en fait. Oui, on est vêtu, et il faut que notre robe soit sans tâche. Et aussi, il ne faut pas qu'on ait des rides, il ne faut pas vieillir. En fait, en Christ, on ne prend pas d'âge et qu'on doit rester le même. Et qu'il faut rester jeune. Parce que les rites, c'est l'image de la vieillesse. En fait, en gros, les vieux n'hériteront pas le ciel. Comprenez mon langage, hein? En fait, un vieux en esprit n'hérite pas le ciel. Parce que les rites, c'est l'image de quelqu'un qui est fatigué. Parce qu'on dit non, ni rides, ni rien de semblable. Et que celui qui se dit, voilà, c'est bon, j'ai 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, c'est bon, j'ai tout vu. Donc vous faites. Moi, je suis là depuis 40 ans, je connais le Seigneur. En fait, attention, tu tombes dans le piège de. Tu deviens. Tu manifestes en fait les rides. Et là, fais attention, parce que tu crois que tu arrives. Bon, personne n'arrive en fait. Voilà, il faut que tu gardes. Voilà. Comment dire, ce zèle en fait. Ce zèle de. Comment dire, que beaucoup perdent parfois. Hein. Ils disent qu'ils parlent du zèle amer. Bon, ça, c'est oui, il faut faire attention, mais il faut avoir du zèle, mais pas amer. Il y en a qui n'ont même plus de zèle. Oui. Et quand tu vois quelqu'un manifeste un zèle parfois amer, parce que, vous voyez, quand on arrive à Christ, on a un feu, on peut faire des choses, tu vois. Ah, les jeunes d'aujourd'hui sont trop chauds là. Ouf. Je préfère un jeune d'aujourd'hui qui va arriver à Christ qui est chaud, qui fait des erreurs, au moins qui est chaud, que toi qui es là depuis 50 ans, qui a complètement perdu le zèle. Complètement. Du coup, toi, tu es là, moi, je suis arrivé. Vous voyez ? Donc, bien aimé, c'est vraiment le temps où chacun de nous, voilà, doit prendre conscience que marcher par la vue, c'est très dangereux. Mais marcher par la foi, ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Voilà, il faut une vie de. Voilà, une vraie vie de discipline, en fait. Si t'es pas discipliné, marcher par la foi, c'est compliqué. Tu vas le dire, mais. Quand tu seras face à des situations, face à des décisions, face à des. Tu vas tout le temps marcher par la vue. Sans le savoir, en fait. En fait, c'est d'où nous allons faire attention avec notre vie, notre attitude avec le Seigneur, comment on vit notre foi, comment on s'organise, pour ne pas. Voilà. Finir comme. Dans la parole, par des exemples. Hein, les gens qui ont, dans la foi, a fait un naufrage. Hein, et Inimé, Alexandre, voilà, qu'on connaît. L'apôtre Paul parle de ces. De ses frères qui étaient frères au départ. Parce que quand on disait d'une personne qui a dans la foi fait le frère, c'est-à-dire qu'au départ, il avait la foi. Mais c'est parce que quelque chose qui a fait que sa foi
il a perdu la foi. Et il y a eu un basculement en fait. Même ceux qui disent que oui, on ne peut pas perdre la foi, on ne peut pas perdre le salut, ah ben, on a un exemple que c'est possible de perdre le salut. Parce que celui qui perd la foi perd le salut. Voilà. Amen. Ouais. Si tu perds la foi, tu perds le salut. Voilà. Donc, soit tu te répands, soit tu fais grâce, mais si tu restes dans cette chute-là, tu ne veux pas te relever, bah, c'est sûr que le Seigneur ne va pas te faire des cadeaux, parce que j'imagine un peu la scène en enfer, si le Seigneur te fait cadeau à toi, les gens diront qu'on enfer. Seigneur, si tu as fait cadeau à lui, là, lui, ah ben moi aussi, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne en enfer. Donc le Seigneur est juste, donc vraiment c'est à nous, bien aimés, de veiller, c'est tellement, ça demande beaucoup, beaucoup de volonté, d'effort. Hein. L'apôtre Pierre Aker, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer de l'amour, il faut s'efforcer dans la paix, il faut avancer en fait, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas rester immobile en tout cas, il faut vraiment avancer. Et vu l'heure, vu le temps, on n'a pas le choix. Ouais. Et c'est le message du temps. Le Seigneur revient bientôt, les signes sont là. Et du coup, on ne cesse de répéter, bien aimé, il faut marcher par la foi. Ne marchez pas par la vue. Car le diable a compris qu'aujourd'hui, il y a tellement à voir. Avec la technologie, il y a tellement à voir. On voit les hommes qui sont capables maintenant d'aller de l'espace comme ça. On voit en actualité, oui, les fusées facilement. On voit là, tu peux faire un direct quand on regarde aux États-Unis. Oh, c'est extraordinaire. Vous voyez, la vue est nourrie d'une manière terrible. C'est-à-dire que plus la vue prend de l'ampleur, forcément, pour rester dans la foi, c'est compliqué. En fait, plus le monde avance, plus ils nous en ont plein les yeux. Ah, c'est beau, ah, c'est beau, ah, c'est beau, waouh, c'est beau, c'est beau. Et du coup, maintenant, la foi, il faut la maintenir, voilà, il faut que ça soit toujours au-dessus. Et du coup, plus ça va, plus, si tu ne veilles pas, l'équilibre change de côté. En gros, ça bascule du mauvais côté. Amen. Donc, c'est vraiment c'est des sujets que qu'on ne peut pas se lasser de partager. Marcher par la foi, la sanctification, la repentance, ne pas baisser les bras, quelles que soient les situations, quels que soient les combats, il faut vraiment, vraiment tenir. Et le diable envoie ses serviteurs pour faire croire aux chrétiens, on voit des enseignements bizarres parfois. Tu es dans le péché, c'est pas grave, Dieu comprend, Dieu amour, c'est pas grave, tu peux, il comprend, il va te pardonner, il va te pardonner si tu te réponds, si tu abandonnes en fait. Oui. Celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne obtient miséricorde. Ouais. Toi, tu abandonnes pas tes transgressions, tu es dedans, tu ne veux pas avancer, tu veux que Dieu te pardonne, non, c'est pas possible. Ouais. Mais avec ces enseignements-là qui poussent les gens à. Maman m'a dit que Dieu comprend, donc je peux arrêter dans 6 mois, je peux abandonner mon vol dans 1 an. Mais vu comme elle a dit, en plus je ne meurs pas, je suis là, je ne suis pas malade. Vous voyez, c'est ça le piège. Je suis en bonne santé. Et ça va, c'est que Dieu est d'accord que je continue comme ça. Il y a des gens comme ça, hein. Tu prends les enseignements en plus, sa vie de tous les jours, ça va. Mon foyer, ça va. Mais toi, je continue à voler. Hein. C'est-à-dire que Dieu comprend, il me laisse le temps, vu que je sais que je vais arrêter dans 6 ans. Parce que j'ai un projet dans 6 ans d'acheter une maison, donc je continue à voler, donc Dieu comprend. Amen. Et il continue comme ça. Vu qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a rien. Il continue comme ça. Il est là avec vous. Ça va, frère? Ça va, ma soeur? J'ai bon. C'est notre béni, c'est notre travail. L'œuvre avance. Et c'est vraiment le projet avance. Mais c'est un projet de magouille derrière. C'est un projet fondé sur le mensonge. Mais vu qu'il ne voit pas quelque chose de mal physiquement, parce que spirituellement, le diable est malin. Il va te laisser tranquille. Le diable est malin. Il sait que tu es dans l'erreur. Il sait que si j'agis maintenant, tu vas te repentir. Non, il va te laisser dans le péché. Ça, le démon. Celui-là, enfin, on va le laisser bien rentrer dedans. Voilà. Jusqu'à un niveau où, quand on va l'attaquer, il ne pourra pas trouver une solution. En gros, c'est ça le diable. Il va te laisser jusqu'à un niveau où, quand ça va chauffer, tu ne penseras même plus au Seigneur. Tu vas penser à des solutions B. Qu'est-ce que je fais? Je vois plein d'elles. C'est ça, quand il y aura des combats qui n'ont pas la foi, quand la foi baisse, qu'est-ce qu'ils font? Il tombe malade brusquement, il fait quoi? Il pense déjà au SAMU. Il va penser au docteur. Il va appeler. Ah, ça va pas, j'ai mal. Il ne va même pas penser à prier.
Vous voyez pourquoi les situations graves arrivent comme ça? Celui qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? La chair est faible. C'est comme ça, ça peut arriver dans la famille, une situation, une urgence, tout ça. D'abord le Seigneur. Seigneur. Et après, si cela le permet, oui, la médecine, c'est pas interdit à même de prendre du Leprane, d'aller aux urgences. Voilà, il y a une situation de t'es coupé, je sais pas, de la famille. Mais d'abord le Seigneur. Mais s'il y a le péché, s'il y a quelque chose de grave qui est là depuis des années, tu le laisses aller. Mais le jour où tu arrives à un niveau où c'est tellement grave que tu ne penseras même plus au Seigneur. Et quand tu vas aller consulter l'humain, qui va essayer de t'aider, comme tous les autres, il va faire une erreur qui normalement il ne fait pas d'habitude, et ça va tomber que sur toi. Il dira, mais, le docteur dira, mais comment je ne comprends pas. Je opère 10 000 fois tous les jours, mais quand c'est arrivé son tour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis trompé. Et du coup, on va condamner le pauvre. Tu t'es trompé, c'est un humain, plus ici s'il n'a pas le Seigneur derrière, le diable il vient, ben, c'est un païen, c'est un esclave du Seigneur, un esclave des démons. Le diable il vient, ben, il rentre dans ses pensées. Au lieu de couper à 5 cm, il coupe à 10 cm. Au lieu de prendre, de retirer le ciseau, il l'oublie dedans. Il referme la plaie et le ciseau est dedans. Ah, je veux pas bien, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je sais pas, ils font la radio comme ça. Ils ont oublié le truc dedans. Mais Seigneur, pourquoi t'as permis? Ah, là, tu penses au Seigneur. Là, quand c'est compliqué, tu penses à moi. Mais quand ça arrive, t'as pas pensé à moi. Vous voyez, c'est ça, marcher par la vue. Plus le péché, mais ça. Vous voyez, bien aimé. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui et on ne peut que, voilà, interpeller les chrétiens, le répéter encore. On ne peut pas se dire chrétien, être dans le mélange comme ça, en fait, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne peut pas se dire chrétien, être aussi mélangé. Voilà, un peu de Dieu, un peu du diable, c'est pas possible. Vous voyez, c'est ce qui aujourd'hui nous étonne aussi, je pense. Mmh. C'est devenu comme un jeu, quoi. C'est devenu tellement courant de voir les chrétiens mélangés, que c'est surprenant, en fait. C'est surprenant, ils te le disent avec une facilité. Voilà, ou ils te disent pas, mais tu vois dans leur vie que c'est normal, quoi. Tu baignes dans un péché, tu es dedans, mais tu as quand même le courage, t'as quand même cette capacité d'aller prier quand même, de se dire oui, tout va bien, le Seigneur est bon, ça va, amen. Non, c'est pas possible. Il n'y a même pas cette tristesse-là, en fait. Vous voyez, cette tristesse-là que le Seigneur met dans le cœur. Il y a des choses que voilà, tu ne peux pas toi-même régler, le Seigneur va t'aider. Il y a des combats où il faut que le Seigneur t'aide. C'est toi, mais tu peux pas. Il dit, Seigneur, j'ai rien de moi. Le Seigneur, il voit, et du coup, il t'aide. Mais il y en a qui sont dans des combats où ils doivent régler eux-mêmes. Ils doivent, mais non. Donc, ils sont mélangés, ils sont là. Et ils œuvrent. Et puis, demain, quand il y a un scandale, les nations se moquent de nous. Les gens se disent, ils rigolent, ils disent, ouais, les chrétiens, voilà ce qu'il a fait. Les païens se moquent de nous, même d'autres croyances aussi. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir ça. Et on ne peut que s'indigner, on ne peut que, voilà, parler de ça, en fait. Voilà. Donc, du coup, l'heure est arrivée où on doit mettre plus l'accent, voilà, à la sanctification, à la vérité, à l'amour, vous voyez. Non pas, on va mettre l'accent sur bénédiction, comment réussir, comment, ouais, c'est des messages qui sont à contre-temps, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on voit que, voilà, des messages où on met l'accent sur la bénédiction, comment débloquer le miracle, comment être guéri. Quand on voit l'heure dans laquelle nous sommes, on se rend compte que c'est vraiment à contre-temps, en fait. Les ténèbres sont tellement avancées, la nuit est tellement avancée, que ce n'est pas possible que le Saint-Esprit puisse, voilà, conduire un prédicateur à mettre l'accent sur comment réussir, comment ça passe pas. Parce qu'on est dans un temps où plus ça va, plus on va perdre, au contraire, les choses physiques. Plus ça va, plus on va faire des sacrifices. Il faut parfois laisser son travail, faire des choix durs. Parfois parce que, pour l'amour de la vérité, tu te sépares de ça, tu abandonnes ça. Au contraire, en fait, plus ça va, ça va être comme ça, en fait. Et vu que nous, on est en Occident, grâce au confort, on ne le voit pas. Mais il y a des pays, c'est compliqué. Dans d'autres continents, c'est dur, en fait. Soit en Afrique, même en Asie, voilà, même dans les îles aussi, hein. Il y a des îles où c'est compliqué, en Russie c'est pareil. Il y a des frères chrétiens partout, mais qui, quand ils le voient, ils disent, mais
nous et les États-Unis, hein, l'Occident, l'Amérique et l'Europe, bon, l'Europe du Sud, nous là, en fait, ils disent, mais franchement, vous êtes bien parce que vous êtes tranquille. Parce que nous, il y en a au Pakistan, j'ai fait les maîtres du Pakistan, les maîtres de l'Inde, ils se cachent. Ils prient, ils se cachent en fait. Et des boulots qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que pour faire ce travail-là, il faut faire allégeance à telle divinité. Et que tous les matins, les employés se prosternent devant un dieu. Vous voyez, les pays comme l'Inde, il y a des dieux partout. Tu as savais que le frère dit non. Je vais faire un temps chômage que moi d'aller déposer des fleurs devant Shiva ou je sais pas qui vous voulez. Non, je ne fais pas. Donc c'est un choix qui coûte cher en fait. Parce que si tu prends ce boulot-là, tu es payé, tu nourris ta famille. Mais derrière, il faut accepter de rendre un culte à tel dieu parce que le chef, le propriétaire est le chef de cette religion. Tu fais quoi? Tu vas te compromettre parce qu'il faut payer le loyer? Non. Bah, c'est un exemple parmi d'autres en fait. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe maintenant. Plus ça va aller, plus le diable est en train d'augmenter en fait la pression. Donc, et c'est que voilà, la nourriture et le vêtement, beaucoup sont prêts à tout laisser pour la nourriture et le vêtement. Pas seulement l'argent. Je pense qu'on est d'accord, beaucoup parlent beaucoup de l'argent, mais on arrive au niveau où c'est maintenant la nourriture et le vêtement. Et que soit tu as la nourriture, soit ben, tu n'as pas la nourriture, choisis. Il y en a qui se compromettent. Pour un bout de poulet, ben, il va se compromettre. Il va rendre un culte à un démon, il va un culte à même aux humains aussi. Hein. Parce que ben, il faut qu'il mange. Voyez, l'heure est grave, bien aimé. Donc, du coup, il faut vraiment voilà, que je dise que nous sommes, qu'on puisse vraiment voilà, le rappeler en fait. Que... Et comme le vaccin, beaucoup se compromettent à prendre ça. Ah, ben, à chaque jour, c'est fait, ça même. Par exemple, oui. Pour garder le boulot, ça. En parlant aujourd'hui du vaccin, le Seigneur est bon. Le Covid, il recule. C'est pas une question de vaccin. Amen. Le Covid, il recule aujourd'hui, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Dans le monde entier, le Covid recule. Voilà. Même dans les hôpitaux, les cas de maladies, les cas de contamination baissent. Et ça va repartir après l'hiver. Dieu seul sait. Amen. Pendant que les humains s'agitent, trouvent des solutions. C'est pas mauvais, il y a des vaccins. Ok, on prend des vaccins. Il y en a beaucoup de vaccins qu'on prend pour voyager, c'est obligatoire. Ok, d'accord. Mais quand l'humanité s'agite jusqu'à parfois imposer certaines choses, quand on pèse le pour le contre, hein. Ok, d'accord. C'est peut-être utile pour ceux qui sont malades, ceux qui sont âgés, ok, d'accord. Ça peut se justifier, c'est comme ça. Mais quand on impose des choses comme ça, mondialement parfois, pour les gens parfois qui n'ont pas besoin de ça, de quoi se poser la question? Après, on peut argumenter, oui, mais oui, mais lui, si là, il va donner aux vieux, je vais mourir, mais il veut qu'à vacciner les vieux, j'en sais rien. Comme ça, laisser ceux qui sont en bonne santé, tranquille. Mais voilà. Ouais, donc, tout ça fait que ça mène un flou. Et du coup, ben, si tu ne marches pas par la foi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Aujourd'hui, beaucoup, même dans le monde milieu hospitalier, pas que des chrétiens, des païens qui ont décidé de ne pas aller travailler, qui ont refusé le vaccin aujourd'hui et qui ne sont pas payés depuis un mois. Les soignants. Les soignants, mais même les pompiers aussi. J'avais entendu que dans le sud, là, il y a des soignants qui vont être jugés au tribunal. Là, oui. Parce qu'ils ont refusé le vaccin. Ils ont envoyé le boulot, ils vont être jugés. Voilà. Vous voyez? Donc, non, vous voyez, c'est un bel exemple. Tu refuses quelque chose, c'est grave. T'es libre, hein. Ah, en France, t'es libre. Parce qu'il y a d'autres pays quand on t'oblige comme ça, soit tu fuis le pays, soit tu vas en prison. Il y a des pays, amen, en Corée, Corée du Nord, en Chine, un vaccin, c'est vaccin, ou autre chose, il n'y a pas que le vaccin. Quand les autorités décident A, tu veux faire B, tu deviens carrément bah, un dissident. En gros, tu vois, tu commences à te cacher. Il faut changer le pays ou je sais pas. Du coup, si tu te mets dans le rang, voilà, tu sais pourquoi c'est pas bien la décision qu'ils prennent. Mais tu te soumets, c'est comme ça, parce que sinon, ben, je veux souffrir, je veux perdre ma maison, vous voyez. Et donc, tout ça fait partie du plan du diable, on le sait tous. Les choses s'accélèrent en tout cas. Et on n'en parle pas beaucoup dans les assemblées. Ça, on le sait, hein, on dit, oui, l'enlèvement est proche, Jésus revient bientôt, oui, il y a la persécution. Mais ça s'arrête là. Ben, si tu commences à trop en parler, tu vas attirer l'attention. Voilà, tu vas perdre tes avantages. C'est comme ça. Et du coup, très peu en parle. Très peu parle de ça.
Voilà. Bien aimé. Donc, et nous, toi qui te dis chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire, toi qui te dis chrétien? C'est ça le point aujourd'hui. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que quand on dit chrétien, c'est comme les musulmans, comme les. Je sais pas, de religion, comme les juifs. Aujourd'hui, voilà. Quand un chrétien, comment dire, quand on entend, ça s'est passé aux infos, le prêtre qui a dit que la loi de Dieu est au-dessus de l'ordre public. Vous avez vu les réactions qui s'est passé? C'est passé aux infos. Il s'est fait convoquer en plus. Il s'est fait convoquer par le ministre de l'Intérieur, mmh. Voilà, pour le rappeler. Vous voyez, nous sommes dans ce monde-là. En gros, on te dit clairement que la loi de la République, que les gens ont établie, est au-dessus de la loi de Dieu. Mais l'hypocrisie, c'est quoi? C'est que je vois à chaque fois, c'est même qui décide ces lois-là. Ils finissent, ils passent par les églises avant d'être enterrés. Ah oui. J'ai jamais compris ça. Les gens qui se moquent du Seigneur, qui ne croient pas en Dieu, moi, Jésus-Christ n'existe pas, voilà, ils se moquent de lui, moi, on voit des photos du Seigneur. Et c'est les mêmes quand ils meurent, on les voit dans les grandes cathédrales. En termes. Et du coup, on voit le président qui prend les dents, qui baisse la tête, mais. Ça, c'est l'hypocrisie. N'y allez pas. Mmh. Quelqu'un de son vivant se moque du Seigneur, il ne croit pas, il dit que je suis un athée. Pourquoi vous l'emmenez? Ils diront là, c'est une tradition française, c'est une tradition. Amen. Ils diront c'est une tradition française, c'est culturel, faut passer par le prêtre. Ok, on va dire ok. Mais moi, si je suis carré avec ma conscience, avec ma personne, hein, si je meurs demain, je ne vais pas aux histoires de d'église. Vous m'emmenez directement de la morgue au cimetière ou je sais pas, ou à une salle. Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Donc moi aussi qu'il y a l'hypocrisie dans tout ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On ne peut pas accepter de tomber dans cette hypocrisie en fait. Il faut que dans notre vivant qu'on soit carré, que ça c'est pas bon, ça c'est diabolique. Je veux pas que mon cadavre, même si je suis plus là, parce que quand on meurt on part, je veux pas que mon corps passe par une église catholique. Faut le dire en fait. Je dis à tout le monde. Enfin, frère, parent, qui tu veux. Si demain, ça me permet de m'enlever, mon cadavre il passe de la morgue à une salle, c'est normal, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, on refuse pas. Une salle, et vous allez m'enterrer. Ne m'emmenez pas devant une histoire de. On sent tout ça. Je te paye que je suis là. Mais non, 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 s'il vous plaît. Non. Là, c'est comme si. Non. Non, là, c'est pour. Non, ça, c'est mon quotidien, en fait. Amen. Il faut être carré avec sa conviction. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas. On voit beaucoup d'hypocrisie, en fait. Les mêmes qui se moquent du Seigneur, c'est le même qui. Et puis demain, tu vois, ils finissent. Ben, dans les églises. Voilà. Voilà. Que ce soit, on n'est pas d'accord avec le catholicisme, hein. C'est la divergence. Mais c'est quand même chrétien en fait. En gros, c'est le christianisme. Pour faire large. Tu te manques du Seigneur. Mais tu te retrouves dans une église. Dans une église. Ça colle pas. Ça colle pas. C'est... Ça ne colle pas. Vous voyez? Donc c'est. Voilà. C'est compliqué. C'est... Donc c'est à nous voilà, de faire attention, c'est à nous d'être carré, c'est à nous de rester en tout cas focalisé sur la Bible en fait. C'est ça. Sur la Bible, on peut faire dire ce qu'on veut, c'est vrai. Mais de se focaliser sur être cohérent en fait avec la doctrine des apôtres. Mmh. C'est ça en fait. Être cohérent dans notre message. Rester sur ce qui est écrit, ce que les apôtres nous ont laissé, sans commencer à rajouter des raisonnements. Vous voyez, c'est ça, les interprétations. Oui, Paul a voulu dire ça, non? Paul a dit ça, il a dit ça, ça, ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui compte, pas d'idolâtrie, pas de mélange, il n'y a pas de rapport entre les murs et les ténèbres, c'est tout. Donc ça, c'est pas le Seigneur, je ne vais pas, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de. Voilà, de. Voilà, de ce mélange-là. Et c'est compliqué, mais c'est dur, parce qu'on voit que. Tu fais le tour des réseaux, tu vois les enseignements. Ah, c'est ça. 100%, 80%, 70% pour ne pas exagérer. Ça. On ne parle pas du ciel en fait. On parle beaucoup de la terre. Comment le chrétien doit réussir, comment être béni, comment être guéri. Mais... On n'a pas vu les apôtres faire des enseignements sur comment être guéri en fait. Ça aussi, les apôtres ont parlé de comment guérir, comment le miracle. Non. Non. Voilà. Quand tu lis Jacques 5 là-bas, là, si tu es malade. On va prier pour toi et puis on tourne en d'huile et puis voilà. Et la prière du juste est efficace. On n'a pas vu des enseignements, les sept façons d'être guéri. Je sais pas. Voyons, on n'a pas vu, on prend
Tu tues une heure ou deux heures à parler de la guérison. On ne veut pas ça. Comment déclencher le miracle? On n'a pas vu ça. C'est des choses qui se forment naturellement en fait. Tu priais, et sinon, guéris comme ça. Délivre comme ça. Les gens bénissent le Seigneur en fait. Oh, le miracle est commandé, c'est plein de miracles. Parce que le miracle, c'est tout ce qui est censé être. Vous voyez, un miracle, c'est surprenant en fait. Mais là, non, le miracle est commandé. Voilà. Et viens, ramène la bouteille d'eau, je vais prier pour ça. Et non, mais c'est. Vous voyez, même en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous aide hein, par rapport à ce temps auquel nous sommes. Tout ça doit nous interpeller aussi. Hein. Ça nous interpelle. Voilà, l'heure est grave et que nous qui nous disons voilà, être debout, mais faisons en sorte de ne pas tomber. Quoi. Ben. Voilà. Parce que la chute peut être rude. Hein. Voilà. Si tu ne veilles pas, tu peux vite te retrouver voilà, du 50e étage, tu te retrouves. Pas forcément au zéro, hein. Parce que tu peux avoir besoin de te rattraper au cinquième étage, mais tu imagines un peu la chute. Les gens, oui, ils ne sont pas à zéro, en fait, ils n'abandonnent pas la foi. Hein. Ils croient en Jésus-Christ, oui, mais quand ils regardent d'où ils sont partis, d'où ils sont tombés, ah Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, il faut monter encore 45 étages. Tu es là, tu es toujours au cinquième étage. Et quand tu penses ce que tu as enduré, les sacrifices que tu as fait pour aller arriver jusqu'au 50e étage. Le temps que tu as passé pour la prière, le temps que tu as passé pour l'œuvre, tout ça, et tu manques de vigilance, tu te retrouves au cinquième étage. On te dit, bah oui, mon fils, je te pardonne. C'est dans la mort. Je dis, mais. Ah, mais. Je reste là. Mais monte. C'est ça. C'est ça, vous comprenez ou pas? Ils n'ont pas de prendre comme ça par l'épaule, comme le 50e étage. Non. T'as chuté, je te pardonne, mais. Il faut reprendre en fait la matière en fait, vous voyez, je dois recommencer, voilà. Si par exemple, t'as scandalisé les gens, je prends l'exemple, t'as commis un péché grave qui a scandalisé les gens, même ton foyer a explosé. Je te dis, je te pardonne. Oui, mais ton foyer là qui a explosé, il faut faire quoi? Il faut le regagner. Tes enfants qui sont choqués, par exemple un mari qui trompe sa femme, voilà, et puis c'est que ça s'apprend. Tout le monde est au courant, tes gens sont scandalisés, pourquoi t'as fait ça? Si on te pardonne, mais entre le pardon et la confiance des gens, c'est différent. Amen, parce que tout le monde n'a pas la même foi. J'ai vraiment dit oui, je te pardonne, mais derrière, là, il m'a quand même trompé, sinon on fait grâce. Et même ta femme, au début, ça ne va pas être facile. Même si elle est chrétienne, elle va dire oui, je te pardonne, mais chérie, c'est quand même dur. Tu sais, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que là, tu pars de 50 à 5. Alors maintenant, pour retourner à 50, bah, du coup, c'est. Doucement, par la grâce du Seigneur. Parce que, ben, on n'a pas veillé parce qu'on n'a pas fait attention. Veillez, priez. Car le diable, notre adversaire, rôde comme un rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc il rôde, il ne dort pas le diable. C'est des démons, des esprits ne dorment pas. Il rôde tout le jour autour de nous, il y a des démons qui sont autour de nous. Ça, je pense qu'on le sait. Il y a des démons qui sont envoyés autour de chaque enfant de Dieu. Ça, c'est une chose peut-être qu'on ne dit pas assez, mais nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc forcément, le diable a dépêché sur chaque enfant de Dieu des démons qui rôdent autour. Pour voir le jour où tu tombes, tu ouvres une porte, il voit son gouffre là en fait. Et tant que tu te ressaisisses, ok, tu te réponds, mais quand un démon rentre, il casse, il a quand même cassé quelque chose. Et donc tu le chasses, il a quand même cassé quelque chose. Alors, c'est-à-dire qu'il marque des points, mais le toi tu fais quoi derrière? Il faut du coup corriger la chose. Or, le temps que tu corriges, c'est un temps que tu perds pour avancer. Bah, c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que le temps de corriger l'erreur, ceux qui étaient à ton même niveau, ils sont où? Ils avancent. Et toi, tu attends de réparer l'erreur. Tant que tu finis, prends une journée. Et ils ont une journée avant sur toi. Et donc, en fait, c'est à nous vraiment de faire très attention. Et les démons rôdent. Ça, on ne dit pas assez. On va dire, oui, mais vous êtes trop. Vous voyez les démons partout. Mais ils sont partout. Oui, on le voit d'où? On le voit partout. Bah oui, je dis oui. Les démons sont partout. Si tu le vois pas, c'est que tu as un problème. Les démons sont partout. Et ils rôdent partout. Et maintenant, c'est à nous maintenant de veiller. Car nous sommes la lumière du monde. Forcément, la lumière attire des bêtes. C'est ça. Et les bêtes, plus ils sont nombreux, plus
Ils étouffent la lumière, ça l'idée. Hein. Plus les bêtes sont nombreuses, voilà. Ils veulent étouffer, hein, comme dans la nuit. Hein. Plus il y a des bêtes, tu vois, que la lumière, on en voit de moins en moins. Il faut s'approcher davantage pour la lumière. Hein. De la forêt, quand il fait noir, quand il y a une lumière, on voit des bêtes qui viennent autour. Là. Du coup, la lumière, on la voit pas facilement, il faut s'approcher. Donc il faut que ta lumière puisse en fait faire quoi? Oui. Briller davantage. Davantage. Pour que les rayons puissent traverser, voilà, ce voile que l'ennemi met en fait. C'est quand même un voile qui met autour comme ça pour t'empêcher de pouvoir éclairer les autres. Or, on m'appelle pour aller éclairer les autres. Il va essayer de mettre un voile autour de toi. Voilà, comme beaucoup de chrétiens, hein, ben, j'ai mon Jésus. Jésus n'est que pour toi. Et que ta lumière se sert qu'à toi. Or, la lumière doit servir aussi aux autres. Elle est que on ne peut pas te dire chrétien, ne pas penser aux autres. Non, il faut qu'on se lève aussi pour aller donner la vie qu'on a reçue aux autres. En fait, on est des instruments, donc des vases. Quand tu es rempli, après ça déborde en fait. C'est-à-dire que ça déborde sur d'autres vases. Bon, un chrétien qui ne veut pas se lever pour le Seigneur, qui pense qu'à lui, parce que j'ai mes combats, j'ai mes soucis, pour l'instant moi ça ne va pas, et quand ça ira. Amen. Quand ça ira, peut-être. Je commençais à poser aux autres. Ça n'ira jamais. Amen. Ça n'ira jamais. Voilà. Amen. Amen.